Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur Entretien d'Afrique. Aujourd'hui, nous recevons un administrateur du Trésor à la retraite, SDG de Supreme Planuba de 2012 à 2020, aujourd'hui victime de cette même société dans le cadre du traficotage et de confection de faux répertoires dans l'arrondissement de Godomé. Il s'agit de M. Boniface Henoufo Gozo. Cher invité, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Monsieur le journaliste. Pour animer cette émission, j'ai sur ce même plateau Monsieur Abouakatakou, à qui je laisserai le privilège de poser la première question. Merci, cher confrère. Monsieur Gozo, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci, le pour journaliste. Aider les Béninois et les autorités béninoises à comprendre la substance même de l'épineux problème des vols de parcelles au Bénin, à Cotonou, à Godomé et au Bénin en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons spécifier le cas de la commune d'Abouin-Calavi. Nous apprenons qu'il y a au moins 2000 parcelles volées, je pèse bien les mots. J'aimerais savoir comment cela s'opère, qu'on vole des parcelles aussi facilement dans un pays. Oui, merci, merci monsieur le journaliste. Et pour rappel, je dis que la commune de l'ex-sous-préfecture d'Abouin-Calavi a signé en 1998 un contrat de 36 mois avec la société Supreme Planuba, qui était alors dirigée par, co-dirigée par M. Kwasi Gérard. Bon, là, c'est plus Supreme Planuba, ça peut être Planuba. Planuba. C'est après que ça a oui, oui, il n'y avait pas de Supreme Planuba. La société était d'abord Planuba. Et était une société dirigée par deux actionnaires, à savoir Tonato José et Kwasi Girard. À la longue, et le Kwasi Girard a évincé M. Tonato, le ministre, de cette structure pour s'accaparer de la société et pour pouvoir bénéficier des avantages liés au contrat de Planuba, il a dénommé la nouvelle société Supreme Planuba, où il est devenu le seul actionnaire et le seul gestionnaire. Et c'est dans l'exercice de ces travaux déjà entamés au moment où la société était Planuba qu'il a continué ses relations avec la mairie de Calavi. Avec la mairie de Calavi, il y avait un contrat. Et ce contrat prend le nom de... où il était un maître d'ouvrage, à l'instar de l'hygiène, après la réalisation du contrat avec le cabinet Bas-Constantin. Alors, depuis lors, Planuba s'est arrogé plusieurs prérogatives, à savoir l'établissement des répertoires de recasement et la modification des états des lieux. Or, ces prérogatives relèvent exclusivement de l'hygiène, de la compétence de l'hygiène. Monsieur Gozo, permettez que je vous pose une question. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'un contrat de 36 mois. Oui. Et ce contrat de 36 mois, est-ce que c'est le même qui a été reconduit pour que Supreme Planuba en bénéficie ou bien quels sont les tests qui régissent cette cohabitation, cette solidarité entre les deux sociétés? À ce jour, la mairie de Calavi et Supreme Planuba n'ont pas un contrat que je peux exhiber. Pour y avoir travaillé aussi. Non, pour y avoir travaillé. Ils abusent du titre de Supreme Planuba et de Planuba avec qui ils ont eu à faire un contrat. Et pourquoi la mairie ne dénonce pas cet état de choses? La mairie n'est pas autant organisée et il n'y a pas de structure typique à la mairie pour suivre la gestion du patrimoine de la mairie. Ça, c'est une réalité et les faiblesses aujourd'hui et l'expropriation par Planuba unilatéralement de près de 2000 parcelles créant des victimes que constitue la mairie et des citoyens paisibles qui ont perdu leur parcelle
reflète exactement le fonctionnement de la mairie qui doit s'organiser. Autrement dit, vous voulez dire qu'à la mairie, il n'y a pas un chef service domanial qui s'occupe de ce genre de détails? Le chef service domanial de la mairie ne s'occupe pas du suivi du patrimoine de la mairie. Autrement dit, parce que le problème qui se pose, c'est la gestion du patrimoine de la mairie. Et cette gestion doit avoir une structure appropriée où le patrimoine de la mairie est suivi de près partout au niveau de tous les géomètres, de toutes les structures. Sinon, imaginez que 2000 parcelles soient volées par une structure sur Planuba seule, qui met des noms fictifs, qui met des identités fictives sur des parcelles. Et la mairie ne réagit pas. Monsieur Imaginez Bouzou, ce que ça donne. Monsieur Bouzou, permettez-moi de vous poser encore une question. Oui. Vous avez parlé de 2000 parcelles. Oui. Est-ce que c'est Planuba seul qui a volé ces parcelles ou bien Planuba le fait concomitamment avec d'autres personnes? Parce non, qu'on a, on a entendu des noms récemment, via Coulé Daniel, on a entendu Fisando Franck, beaucoup de noms quand même circulés pour être un des grands cerveaux de cette mafia-là. Oui, si vous dites que Planuba, je dis Planuba là, et Planuba dirige une mafia, une usine de fabrication de fausses pièces, et pour pouvoir manipuler, utiliser, bénéficier des parcelles, il faut des gens, des prêtres, non. Les Fifando, les Viaoudi, ne sont que des exécutants de Kwasi Jirah. Et quel est le rôle de l'hygiène dans cette affaire? Hein? Quel est le rôle de l'hygiène, j'ai saisi l'hygiène. Et l'hygiène dit que dans sa lettre et dans sa réponse à ma direction, dit que c'est Planuba qui fait ses créations et qu'il n'a pas à répondre de ses agissements. Ça veut dire quoi? Sur le plan structurel, c'est Planuba seul qui conçoit et gère la mafia. Comment? Parce que lors des recasements, Planuba est chargé de répertorier les PV de recasement. Et Planuba est en même temps chargé de dresser les répertoires de recasement. Et lorsqu'on va au recasement, tous les membres du comité de lotissement signent les PV. Et lorsque les PV, la copie qui revient à Planuba, vient dans notre structure, ces structures utilisent ces PV-là pour établir les répertoires. Et lorsque, pour établir ce répertoire, on va traficoter le procès verbal. Qui? Kwasi Jirah et Viaoudi Daniel. Et Viaoudi Daniel, il est qui dedans à Planuba? C'est un gardien qu'on a recruté à Planuba. Et ce gardien est devenu chauffeur. De chauffeur, il est devenu planton. Il cumule avec la qualité de planton. De planton, il est devenu agent de renseignement. Et d'agent de renseignement, il est devenu agent d'accueil. Et d'agent d'accueil, il est archiviste et conducteur de Kwasi Jirah. Il est archiviste. Oui. Donc c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est lui qui gère les PV de recasement. Donc il a suivi ça à l'université probablement. Non, il n'a jamais été à l'école. C'est-à-dire qu'il n'a pas un niveau qui dépasse le CM2. Mais pourtant, ce qu'il fait, ça dépasse celui qui a fréquenté. Non, il fallait quelqu'un de sa nature pour permettre à Kwasi Jirah d'organiser la mafia. Il faut quelqu'un de sa nature. Donc, un prêtre, non. Un prêtre, non. Il n'est qu'un exécutant apparemment. Mais il profite, heureusement, parce qu'à le voir, on sait qu'il profite beaucoup. Jusqu'à présent, M. Bouzou ne nous a pas donné de façon détaillée le processus de vol. Comment ça se fait? Oui, c'est très simple. Et il faut être il faut connaître un peu le milieu pour savoir comment ça se passe. Comment? Et lorsque les membres, le responsable de Planuba dans la commission de recasement revient au bureau après le recasement, il dépose au niveau du secrétariat le PV de recasement.
Et ce PV de recasement est remis à Daniel pour être archivé. Et pour pouvoir réussir l'opération, on prend le PV de recasement officiel. Et ce PV de recasement fait l'objet d'un grattage, d'un trafic. On écrit une autre date, et parfois même les dimanches et les samedis. Après avoir écrit, falsifié la date de recasement, on prend le PV là. Les parcelles recasées sont modifiées. Et on met à l'intérieur de ce PV là les parcelles disponibles. Et on va scanner de telle manière que quand vous prenez le vrai PV d'une date donnée, vous verrez que les mêmes personnes sont assises à la même place à des dates différentes. Si je prends un cas typique, le PV du 27 mars 2001 qui a abouti au recasement de Fifando dans la zone de Godomé Plateau, au bord de la voie inter-État, à Godomé Kendonou, comme on peut le dire. On a utilisé ce PV, le PV du 17 juillet 2001, qui a été traficoté. Et quand vous comparez les deux PV, c'est les mêmes signataires à la même position. Oh, lorsque vous revenez d'une commission de recasement, chacun s'assoit là où il veut et signe comme il veut. Mais vous prenez les deux PV là, vous allez comprendre que c'est le PV du 17 juillet qui se retrouve à l'IGN. Alors que le PV du 27 mars 2001 ne se retrouve même pas à la mairie, mais seulement à Planuba. Dès lors, si un PV ne se retrouve ni à l'IGN ni à la mairie, oui, d'office, c'est faux. Partant, personne ne devrait être inquiété de voir sa parcelle aliénée. Oui, mais c'est que quand le PV est traficoté de cette manière, Kwasi Gérard prend le PV là pour insérer la date de recasement là dans le répertoire. Il a quel intérêt pour le faire? À qui profite le crime? C'est à Kwasi Gérard. Mais vous avez tous ceux qui sont là profitent de... La preuve est que les gens n'ont pas de salaire, oui, Monsieur Bozo, mais ils ne démissionnent jamais. Monsieur Bozo, vous avez été directeur pendant 8 ans à tête de cette institut. Oui. Oui. Ça veut dire que ça vous a profité aussi autrement. Personne ne peut rapporter la preuve de ce que le nom de Bozo ou de ses alliés, d'un de ses alliés, occupe une parcelle de fait sa propriétaire. Donc je ne suis pas informé de cette situation. Donc vous le dites, il a fallu qu'un procès soit initié et que je me présente avec le PV du 27 mars 2001 pour défendre la cause de Planuba, que j'ai été confronté aux réalités avec le procureur qui me dit: non, monsieur Bozo, il y a un autre PV, allez fouiller. J'ai dû replier pour revenir à la base et c'est à partir du 20 avril 2020 que j'ai découvert la supercherie et que j'ai su que je suis assis sur une usine de fabrication de fausses pièces et que le concepteur de cette usine, c'est Kwasi Gérard. Bon. Je ne cache pas son nom. Monsieur Bozo, dans nos enquêtes, on a écouté un ami à nous, Dakindi Garapo, qui a aussi été victime de cette situation. Il a même perdu sa parcelle dans le jeu. Et au tribunal, il n'a même plus de pouvoir pour revendiquer la dite parcelle. Comment se fait-il que le tribunal ne puisse pas soutenir les victimes dans ce cas de figure? Non, les victimes ne peuvent pas être soutenues parce que les preuves, la preuve est la rançon de la justice. Les éléments dont dispose la justice ne peuvent pas permettre à la justice de trancher autrement qu'en faveur des mafieux. Et comment? Parce que les répéteurs falsifiés et les PV falsifiés ne vont pas à l'hygiène, comme je l'ai répété. C'est Planuba qui délivre la fiche de recasement. Une fiche de recasement que je signe. Je ne conteste pas. J'ai signé.
Mais cette fiche de reclassement, lorsque cette fiche va à la mairie délivre l'attestation de reclassement. Ça devient des actes authentiques et des actes administratifs authentiques. Et quand ça, on présente ça au tribunal, les mafieux, Karim Padon ou Fifando, présentent ces actes au tribunal, le tribunal ne peut que confirmer leur droit de propriété sur un bien qui ne leur appartient pas. Oui, monsieur Bouzou, vous le dites par là. Et que... quand le tribunal tranche, ils prennent la décision du tribunal, ils vont voir un huissier. Et l'huissier ne peut que exécuter la décision de justice. Les victimes sont des gens qui ne savent même pas qu'on peut porter plainte contre Planuba parce qu'ils confondent la suprême Planuba à une société, à une structure administrative contre laquelle ils ne peuvent pas porter plainte. Voilà la double victimisation des présumés propriétaires. Oui, M. Gozo, oui. Vous qui mettez la situation, oui. Pour toutes ces victimes aujourd'hui, elles vont se vouer à casser aujourd'hui. Quelle est la porte de sortie? Peut-être qu'ils vont voir la Fondation Ngalaho pour demander comment on peut s'en sortir. Parce que ce que. Tandis que moi, je ne vois pas. Parce que beaucoup de victimes d'aujourd'hui ou de demain ne savent pas qui peuvent revendiquer leurs droits de propriété. Et moi-même, je me sens un peu mal à l'aise. Je me sens un peu mal à l'aise pour avoir dirigé une structure qui a créé autant de victimes. Parce que quand je parle de 2000 parcelles volées, je parle de 2000 victimes. Imaginez jusqu'à quand les petits... Parce que si je vais dans la zone de Mahamaroun, il y a certaines familles où les représentants légaux sont décédés. Et comme Jaoudé Daniel, le cerveau pensant de Kwasi Girard, vit dans la zone... Le génie même de ce trafic vit dans la zone. Il arrive et connaît la situation de chaque propriété terrienne, ceux qui n'ont plus de représentants, si bien que les noms sont changés et manipulés au niveau des répertoires facilement. Et je dis jusqu'à quand ceux-là vont se sentir à l'aise pour se présenter et revendiquer leurs droits. Et qu'est-ce qu'on pourrait attendre de l'État aujourd'hui? Non, ce qu'on peut attendre de l'État, quand j'ai réfléchi, c'est la dissolution pure et simple de la société suprême Planuba et de confier, de chercher un liquidateur pour apurer les répertoires. Parce que les gens, et Kwasi Girard a infecté les répertoires, a infecté les répertoires de telle manière que même après lui, sa progéniture va profiter de ce trafic. Puisque autant de parcelles, autant de noms, lui-même a produit au parquet des listes qui avoisinent déjà 300 parcelles volées. Lui-même. Qu'il a reconnu. Il reconnaît. Il ne peut pas nier. Mais il dit que c'est indépendamment de sa volonté. Qu'il est arrivé, qu'il est revenu, il n'était pas là au poste. Et quand on l'appelle, il dit j'ai été ministre, j'ai été CA de Calavi. Oh, ce n'est pas, je ne le poursuis pas pour sa qualité de ministre ni de CA. Je le poursuis parce qu'il est gestionnaire de la mafia foncière. Oui. Il y a un détail qui nous échappe. Oui. Tel que vous l'avez expliqué, ça veut dire que. La maison du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, le président Patrice Talon, si la mafia décide aujourd'hui, dans ce schéma, elle peut lui arracher la parcelle et gagner au tribunal. Elle peut arracher la parcelle. Je donne un exemple pris comme ça là. Oui. La maison où vit le président de la République, tel que le schéma est fait à Planuba et ses acolytes, ils peuvent s'affilier de la maison du chef de l'État facilement. Très facilement. Comment? Oui, mais si! Moi, Bozo Boniface, je signe la fiche de recasement en qualité de directeur général de Planuba, où aujourd'hui je ne suis pas là, je ne suis plus là, parce que j'ai été suspendu. Kwasi Girard même, en janvier 2022, il a signé un état rectificatif. J'ai la preuve avec moi.
il a signé encore une fiche de recasement au nom de Padonou, celui qui est en prison actuellement. Si supposons que cette parcelle porte sur un bien appartenant au chef de l'État, Patrice Taran, dès qu'on non signe, c'est que la parcelle lui est arrachée. Il n'est pas en sécurité. Ah, il n'est pas en sécurité. Non, ça c'est faux. Puisque Kwasi Gérard, attendez, puisque Kwasi Gérard a signé et dit que la parcelle n'appartient pas au président de la République, il ne peut rien, la justice va trancher en faveur de Padonou Karim. Mais comment l'État ou l'administration publique peut. L'État peut-il donner tant de pouvoir à une structure qui n'est pas étatique? Comment l'expliquer? Bon, c'est des erreurs. C'est des erreurs parce qu'on a arraché au géomètre certains privilèges. Et certaines choses de. C'est la structure suprême Planima est une structure d'architecture. Et aujourd'hui, elle est confondue à une structure de elle se confond aux travaux des géomètres, urbanistes, il est tout. Il cumule tout. En complicité avec quelle structure, principalement? En complicité avec les maîtres d'œuvre, les mairies. Les mairies. Oui, et notamment la mairie de Calabi. Jusqu'à présent, on apprend que récemment, dans nos enquêtes, que c'est maintenant que le maire de Calabi, l'actuel maire, qui n'est associé rien dans ce dossier, veut pas mettre les taureaux par les cornes pour se constituer partie civile dans un procès qui va faire assez de remous. Est-ce que vous l'avez approché? Bon, je l'ai approché, mais comme c'est un nouveau maire, et il me semble qu'il doit avoir aussi des conseils techniques. Moi, mon problème, c'est qu'il faut des spécialistes à côté des maires. Parce que la procédure en cours, c'est moi qui l'ai initiée. C'est moi qui l'ai initiée parce que et j'ai écrit dans ma plainte que c'est au nom des victimes. Et beaucoup de gens s'étonnent de ce que l'ex-directeur de Planuba devienne, de Suprême Planuba devienne représentant des victimes. Et des victimes que je ne connais pas, que je ne connais même pas. Parce que je sais que ils n'ont pas de voix. Ils sont dans le silence. Ils souffrent dans le silence. Monsieur Ganako pouvait porter plainte contre moi facilement parce que c'est ma fiche de recasement qui a fait que lui, il a été expulsé. La justice s'est basée. C'est pas pour lui qu'il ne vit pas sur cette parcelle. Mais même s'il vivait, on va l'expulser. Planuba là, ici, fort. Oui, puisque le contrat que nous avons nous donne l'occasion de faire, d'établir des fiches de recasement. Et si nous on finit de traficoter les PV de recasement qui constituent une pièce maîtresse signée par les membres du comité de recasement, rien ne peut plus arrêter son décrassement. Qu'il soit Talon ou bien président de la République, on ne veut pas. La justice ne connaît pas la qualité du propriétaire. La justice est équitable. Donc, et ne tient pas compte de la tête. La justice que les intéressés, Fifando, Diakou, les consorts, sont en liberté. Il n'y a pas de process pour qu'on puisse le mettre à main dessus. Oui, ils sont en liberté. Je ne peux pas condamner le parquet. Mais ils sont en liberté parce que personne ne dispose de la procédure d'expropriation illégale des parcelles. Et le parquet ne maîtrise pas la méthode de falsification des pièces que je reproche. Mais maintenant, vous avez les formations, vous avez la science en la matière. Oui. Pourquoi n'allez-vous pas auprès du parquet de Calavi pour vous mettre à leur disposition afin de les outiller au fin de régler ce type de problème? Oui, une première fois, j'ai tenté une procédure et le procureur a adressé ma requête à la brigade criminelle. Et à la brigade criminelle, il y a eu un travail formidable. Et le PV est clair. Mais, faute d'informations sur le parquet a classé le dossier pour
pour poursuite non inopportune. Pour poursuite inopportune. Étant pas satisfait, j'ai continué à écrire en faisant une citation directe pour obliger le parquet à venir m'entendre. Parce que je ne suis pas entendu, parce que je sais que 1000, 2000 victimes, c'est un crime. Nous sommes dans cette procédure quand, heureusement, le dossier de Da Garao est intervenu. Et le malheur, c'est que Planuba s'est érigé en victime. Dans ce dossier. Dans ce dossier. Comment cela est possible? Non, ils veulent camoufler leur supercherie. Or, ils ne pouvaient pas imaginer que je détiens des preuves contre eux. Imaginez que le nom de Akereburu Jeanne Désiré, l'épouse de Kwasi Girard, hein, se retrouve sur cette parcelle. Peut-être qu'elle les a achetées. Elle n'a jamais acheté. Elle ne peut pas rapporter la preuve. Oui, c'est parce que j'ai commencé à attaquer qu'il court de nuit et jour pour se trouver des conventions. Mais il ne peut pas trouver. C'est facile de trouver des conventions. Oui, des conventions. Et vous ne verrez pas des dates authentiques. Vous ne verrez pas certifié par un maire. Dorego ne veut pas accepter signer et Dodo ne veut pas accepter signer. Mais des conventions qui ne seront jamais certifiées ou affirmées. Mais vous ne verrez pas un reçu de banque authentique. Comment? Pourquoi? Parce que la banque ne peut pas participer à cette complicité. Vous avez constaté... Parce que j'ai déjà eu des preuves et j'ai demandé à la banque de certifier des reçus. Et la banque a dit que ce reçu ne provient pas de ses services. Vous avez la BOA. Oui. Vous avez une notification. Oui. Donc, Kwasi Girard, pour les parcelles volées au profit de... que sa femme a volé. Puisque je n'accuse pas Kwasi Girard seul. Ma plainte se porte contre Kwasi Girard à Kereburu. Donc, c'est des gens responsables physiques que je connais et qui peuvent se présenter et défendre leurs intérêts. Je les accuse d'avoir volé. J'accuse, par exemple, Glitty Antonin, le secrétaire de Planuba, d'avoir volé. Combien de parcelles il a volé? Non. Il a supposé voler. Bon, pour le moment, oui, pour le moment, j'ai vu que Glitty, par exemple, la parcelle où qu'il occupe à Dekoumbé, était à 295. Il a volé. Et jusqu'à présent, il n'a pas pu. Je n'ai pas la preuve de ce qu'il est propriétaire. Il n'a même pas de convention de vente. Et son nom, il se retrouve sur une parcelle où il est recasé. Et la structure, le commissariat, qui a déjanté les enquêtes. Oui. En tout cas, pour le moment, tout se passe comme si c'est Kwasi qui dirige encore l'enquête au commissariat. Vous faites une accusation grave là. Oui, c'est parce que moi, je veux, dans cette affaire-là, je porte plainte contre Kwasi Girard. Quand on veut auditionner Kwasi Girard, l'instruction est intitulée personnelle et confidentielle. Je ne veux pas savoir ce qu'il a dit. Mais je veux qu'à l'issue de l'instruction, il y ait confrontation entre celui que j'accuse et moi, l'accusateur. Il n'y a jamais eu ça? Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? C'est de telle manière que je ne suis pas satisfait comme je le pense. Je pensais que je suis prêt à dire à Girard, tu as volé. Je suis prêt à dire à Madame Akereburu, les parcelles-là, tu les as volées. Et on va confondre mes preuves. Vous n'avez pas peur que cette personne vous assigne en justice? Non, j'ai les preuves. Regardez. J'ai fait par personne le nombre de parcelles volées. Si je prends la femme de Kwasi Girard, il y a cette parcelle en son nom. Je veux voir les preuves. Et si elle vous les apporte? Non, non, non. Elle ne peut pas apporter.
Comment si elle a mis convention de vente, je vais demander reçu de banque. Et cette le reçu de banque là, c'est on ne peut pas falsifier, on ne peut pas traficoter. La banque, la BOA ne va jamais accepter cette complicité. Je dis PV de recasement. Les membres du comité de... Parce qu'on dit elle est recasée le 17 janvier 2000. Elle est recasée le 12... On a donné les dates, non? Prenons les PV. Vous allez voir que les PV n'existent pas comme ça. Mais avec toutes ces preuves-là, comment la justice n'arrive pas à élucider cette affaire? Non, la justice ne veut pas m'écouter. Pourquoi? Parce qu'on a dit que je veux faire un règlement de compte. Que chez moi, tout semble donner l'impression d'un règlement de compte, que mes déclarations frisent un règlement de compte. Et que si je ne sais pas faire, on risque de me garder. Je risque de ne pas rentrer à la maison. Cependant, vous avez continué, n'est-ce pas? J'ai continué parce que j'ai des preuves. Et les preuves là, on ne peut pas les modifier. Quelles que soient les relations. Parce que quand moi je veux travailler, je fais comme si celui que j'accuse est le petit frère du procureur. Donc je dois m'armer davantage pour pouvoir défendre ce que je dis. Je présume que celui que j'accuse là, il est le petit frère du procureur ou bien il est le parent du juge qui veut trancher l'affaire. Donc il faut que je prenne des précautions pour amener des preuves à tel point que le procureur ou bien le juge sera obligé de se prononcer au nom du peuple béninois pour lequel, au nom duquel ils ont prêté serment. Oui. Donc c'est le serment qui me guide. Un document en main. Oui. Que vous appuyez comme preuve. Oui. Il y a combien de parcelles volées selon vos documents en main? Là. Non, ce document, je n'ai pas mis tout en règle. Mais le nom, c'est les parcelles volées par personne. Par personne. Oui. C'est-à-dire que si je prends à Kérébourou, je dis les références, j'ai tout. Elle a volé à Mahon, Kokotome, Gotome, Fignou, Dekoumbe. C'est la femme du Gérard. Après, je vais voir pourquoi si mes parcelles sont dessus. Ah, peut-être que ton nom est ici maintenant. Ça, donc, je dis à Kérébourou, pour moi, elle est propriétaire de cette parcelle occupée illégalement. Je prends Gouchon, la maman de Padou Karim. Celui qui est en prison actuellement à cause de l'affaire de Garao. Hein? Il a mis, pour le moment, hein, c'est provisoire ce que j'ai fait. Il a mis 16 parcelles au nom de sa maman. 16 parcelles. La maman vit ou déjà? Non, la maman est déjà décédée. Comment ça se fait qu'on puisse attribuer? Non, il fallait des gens qu'on peut manipuler. C'est des héritiers. Parce que Gérard a besoin des gens qui peuvent manipuler. Bon, et je prends, pardonne-nous, Karim. Et quand je dis Padounou là, ça veut dire Germain, Karimou, Sourou, c'est la collectivité Padounou quoi, c'est frais quoi. C'est frais. Et on met tout ça là, ça fait au moins 15 parcelles. Quand je prends Dossier Émile, quelqu'un, il est en France, il est un cousin à Viaoulé Daniel, en tout cas il est parenté à Daniel, Viaoulé Daniel. Je lui reproche au moins au moins 10 parcelles. Donc, peut-être qu'il les a achetées. Non, il n'y a pas de convention parfois. Et lorsque vous prenez les conventions de vente, parce que le parquet dit, oui, monsieur Bozo, quel lien faites-vous entre Kwasi Girard et ce groupe? Quel lien faites-vous entre Viaoudé Daniel et ses joueurs? Mais lorsque vous prenez les conventions de vente, pour pouvoir faire le rapprochement, il suffit de prendre les conventions de vente. Et aujourd'hui, Kwasi Girard, Planimba refuse de nous donner, de mettre à la disposition les conventions de vente. Parce que quand vous prenez les conventions de vente, vous retrouverez aisément que Dossier Émile est vendeur, Couchon est témoin, Padoun Karim est son représentant légal, Fifando est son témoin. Qui est vendeur? Et vous voyez, et Panoundé Basile, un parent de Kwasi Girard, qui doit se trouver vers Thior, Néa, Thior, en tout cas, qui est vendeur. C'est-à-dire que vous, il suffit de prendre les conventions de vente, vous allez voir que c'est un cercle fermé qui montre les liens entre tout ce que j'accuse.
Lorsque vous prenez Madame Akereburu, elle vend de parcelles, c'est la femme de Kwasi Gerah. Yeah. Et à Tchadé, Albert est témoin au nom de Sarano, Brigitte, déjà décédée. Et son fils aujourd'hui est revenu de la Côte d'Ivoire ou bien quelque part, est en train de faire le grand vent parce que et sa maman a laissé des parcelles. Il collabore pour les parcelles de Togmé où déjà on vend des parcelles à 15 millions, 20 millions. Et Fifando, jusqu'à présent, je ne vais pas citer son nom. Mais c'est le chef gang, non? Fifando. Il est en liberté. Mais il est en liberté. Parce que quand vous arrivez au tribunal, on dit que la preuve est la rançon de la justice. Donc le dossier dans lequel Fifando est mêlé, le tribunal ou bien l'officier de police judiciaire qui a dirigé l'enquête n'avait pas de preuves suffisantes. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils ont... Aujourd'hui, lorsque Bozo Boniface est devenu plaignant, ils ont tous les éléments dont ils ont besoin. Ça veut dire que sous peu... Sous peu, ils doivent répondre de leur forfait. Avant, quand on arrête quelqu'un, on dit que c'est Bozo qui a fait, qui a signé. Quand on dit ça, le procureur, c'est en décharge pour sur Bozo. Mais je suis en train de montrer que l'infraction ne se trouve pas. Parce que pour l'infraction, il faut au moins trois éléments. Le fait pénal, l'exécution des faits et l'intention. Bozo a signé les fiches de recasement sans avoir l'intention de commettre une infraction. Sans avoir l'intention d'arracher les parcelles appartenant à autrui. Mais qui a falsifié le PV? Il y a des noms pour ça, non? Il y a celui qui a falsifié. Oui, mais... oui, j'ai dit que celui qui a falsifié, qui a gratté là, c'est Kwasi Gerah. Vous faites de grosses décisions. Et Avia Oudé, Daniel, que je présume, puisque les PV de recasement sont au niveau de Kwasi Gerah, qui est responsable de la structure. Donc rien ne peut se faire sans lui. Et non seulement ça, qui a signé les répertoires qui comportent les renseignements sur la situation de chaque parcelle. C'est Kwasi Gerah. Bon, en dehors de il personne, ne peut pas nier. Monsieur Bozo, oui. En dehors de votre personne, est-ce qu'il y a une situation aujourd'hui à même de porter plainte contre Suprême Planeta? C'est la mairie. C'est la mairie. Et les pauvres citoyens qui sont des victimes silencieuses, qui ne savent pas comment s'en sortir, à qui se référer. Moi-même qui suis ici en train de vous parler, ils ont peur de s'approcher de moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que est-ce que Bozo-là, il est crédible aujourd'hui, lui qui a signé l'affiche pour qu'on puisse casser notre maison. Est-ce qu'on peut aller le voir et se plaindre? Alors donnez vos coordonnées et là les victimes. Mais je suis au 95 72 24 05. Ils peuvent se rapprocher de moi au 97 77 00 53. Ils sont victimes d'une situation et ils ont peur de porter plainte. Même les présidents de comités de lotissement qui se plaignaient de la situation et qui ont rédigé un mémorandum pour se plaindre de cette mafia au sein du Planuba. Lorsque on les invite aujourd'hui, ils se résignent parce que j'étais en train d'être auditionné la dernière fois et un président du comité de lotissement dit c'est les gens de Planuba. Et après, il se retourne, il dit, les voilà. Il a tête de médoiter. Donc, il avait de doutes pour pouvoir se prononcer. Ils ont peur. Ils ont peur parce que, pour eux, Suprême Planuba est une structure étatique. Il faut prendre toutes les garanties pour se plaindre de la violation de ses droits. Mais moi, par votre voix, je leur demande toutes les victimes peuvent se rapprocher de la fondation Garao ou de se rapprocher de Bozo Boniface pour que je les aide à défendre leurs droits parce que beaucoup ont perdu leur parcelle parce que les tribunaux ont tranché et je ne reproche rien aux tribunaux. Ils ont des preuves, ils ne peuvent que trancher en faveur des mafieux. Et ces procédures sont pendantes aussi bien au niveau du tribunal de Cotonou, au niveau du tribunal de Calavi.
et à la Cour d'appel et à la Cour suprême. Nous apprenons que sous peu, le président Talon veut instituer une cour qui va connaître de ces questions de litige douanier. Pensez-vous, à la lumière de tout ce que vous avez dit, de ce que vous connaissez du dossier des affaires douaniales, est-ce que les Béninois peuvent avoir un ou de soulagement par cette cour spéciale des affaires? Ah oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose depuis qu'on a dit ça là. Beaucoup de gens tremblent. Et je sais que même Kwasi Girard a perdu le sommeil. Parce que je lui ai envoyé un message par WhatsApp avant-hier pour lui dire bonjour. C'est votre ami. C'est mon ami. Mais je t'ai dit que lorsqu'ils sont revenus de leur stage, ils se sont installés au Bénin. Je les ai accueillis comme des jeunes frères. La preuve est que Girard ne, il n'appelait pas mon nom, il m'appelle toujours grand frère. Quand j'ai découvert maintenant que c'est quelqu'un de mince léger, que j'ai comme hein? Quelqu'un que vous... Oui, que, à qui j'avais mis ma confiance. Parce que même pour financer ces opérations de recasement, je lui fais des avances. Et je dis que j'ai payé chez lui des parcelles. Et il est parti jusqu'à voler même des parcelles du ministre Tonato qu'il m'a vendu. Et je suis en procès à Comé, dans la commune de Comé. Parce qu'il m'a pris des millions pour dire qu'il a fait des décharges, pour dire que c'est pour que c'est le ministre de Tonato qui m'a vendu les parcelles. Aujourd'hui, le ministre Tonato ne se retrouve pas dans cette vente-là. Comment vous voulez que je fasse? Donc, j'ai affaire à des gens d'une demeure légère, à l'instar de Kwasi Girard, un cadre supérieur en qui la nation ne peut pas faire confiance. La nation. Le peuple béninois ne peut pas faire confiance. Et qui s'est entouré de des gens de basse classe, racoleurs, chauffeurs. Et... Non, le CEO, via la police, tel que vous l'avez décrit, il n'est plus maintenant quelqu'un de non, basse classe. Non, mais oui, il a fait sortir, même pour vendre des parcelles, il a un ordinateur qui comporte tous les recasements. C'est un scientifique. Et lorsqu'il veut vous vendre des parcelles, il fait sortir l'ordinateur et il vous montre les parcelles. Libre. Et il vous dit, vous êtes positionné à tel endroit et vous êtes à tel endroit. Comment vous ne pouvez pas dire que celui-là, c'est un génie? C'est un géométre parfait. Moi, je le prends pour un universitaire. Bon, non, il a dépassé à peine le CM1. Et pourtant, il est devenu l'homme omnipotent. Vous ne pouvez pas venir à Planuba sans lui. Vous ne pouvez pas parler à Kwasi sans lui. La dernière fois, quand le procureur et on avait déféré mon dossier au tribunal et je disais à Kwasi Girard, cette affaire risque de nous amener loin. Pour parler à Girard, Girard le tirait pour qu'il vienne entendre ce que je veux dire. Maintes fois, des amis ont sollicité et que le problème de Girard et de Bozo ne soit pas réglé au tribunal. Et nous avons assisté à 3 séances. Et les amis ont dit non. Mais à chaque séance, c'est Jaoudé. C'est lui le conducteur. C'est lui qui amène Kwasi Girard et il attend dans la voiture. Et quand nous finissons, c'est lui qui... Girard lui rencontre. Lorsque Girard a volé les parcelles de Tonato et que nous sommes convoqués au tribunal de Comé, pour aller là-bas, c'est Viaoudé qui a pris sa voiture, 4x4, LX numéro et quelques là, pour nous ramener. Kwasi Girard ne vit pas ça. Viaoudé, l'homme incontournable, il ne peut pas se séparer de lui. J'utilise bien, je pèse bien mes mots. Monsieur Boniface, merci pour cet échange-là. Ça a été tout un univers qu'on vient de découvrir et qui reste encore à découvrir. Nous allons espérer que le chef d'État va prendre au sérieux ce dossier parce que cela mérite, au-delà des 2000 victimes qui sont mêlées dans cette affaire-là, afin qu'on puisse savoir... Ça peut plus de 25 hectares. 25 hectares, comme Monsieur Bozo l'a dit, afin qu'on puisse voir ce qu'il en serait avec le chef d'État pour que le dossier soit soldé et que la justice prenne sérieusement le dossier en main et que Supreme Planuba
puisse rendre compte à l'État béninois, oui, et au peuple béninois. Oui. Chers amis internautes, merci et à bientôt.